Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Noberon. On se retrouve pour une petite vidéo pépère jusqu'à 17h. Et puis après, on ira sans doute se faire un petit Star Citizen. Je sais pas encore, on verra bien. Là, c'est histoire de... voilà. Histoire de s'amuser un peu. Donc, je suis sur Visceras. Un petit jeu de... Bon, allez. De nettoyeur. L'inquiété racide l'ont déjà fait, mais j'avais envie de m'y mettre un petit peu. Oh, on va se faire un mode pépère. Ouais, allez, celui-là. Donc le principe est simple, en fait, c'est vous êtes un simple, comment dire. En fait, vous êtes le nettoyeur, comme après une scène de crime, sauf que là, c'est à l'échelle d'une station spatiale ou sur une planète ou d'une grande société industrielle. Et puis, il y a des... En fait, faut vous dire qu'il y a des monstres, en fait. Il y a eu des combats, donc là, voilà, il y a des impacts, il y a du sang vert d'extraterrestres, il y a des impacts de balles. Il y a des cadavres complètement explosés. Donc le principe va être tout simple, c'est de tout nettoyer. En faisant attention aux douilles, à tous les déchets qui traînent. Même ça, faudra le nettoyer. Ça va être long, donc c'est pour ça que je préfère mettre qu'une petite heure, quitte à refaire une petite série plus tard. Hop. Donc là, on a des petites caisses qui vont nous servir de petites poubelles. Pour récupérer tous les petits déchets qui traînent. Rien de plus simple. Bon, j'ai déjà vu des petites vidéos d'ici ici et là, comme l'inquiété racide et puis d'autres. Et j'ai compris d'autres systèmes aussi, rien qu'en regardant les vidéos de présentation du jeu en lui-même. Où vous allez pouvoir également devoir ranger tout ça. Genre les bidons explosifs, faudra les mettre dans des endroits bien spécifiques, genre ces petits carrés là. Le principe c'est aussi de tout ranger en fait, même les caisses comme ça. Donc chaque chose à sa place. Dans les carrés rouges faudra mettre les bidons explosifs, dans les carrés jaunes faudra mettre les caisses comme ça, carrés. Il y a tout un délire comme ça. Il y a également sur les corps, voilà, il y a ça. C'est des... Ah, je vais pousser le corps. Voilà, il y a là des clés USB qui nous permettent, voilà, de récupérer l'identité de chaque personne qui est décédée sur place. C'est un peu un journal, si vous préférez. Et on va... Hop, il suffit de venir le mettre sur l'écran et ça a été comptabilisé. À chaque fois qu'on en trouve un... Ça c'est... Hop. Donc il y a toute la partie superficielle et toute la partie déchets à nettoyer. Donc superficielle, les cadavres, les taches de sang, et compagnie, les taches de cambouis et tout le reste, ben, les impacts de balles qu'il va falloir aussi enlever. Ranger les caisses, enlever les balles, enlever les petits déchets qui traînent. Oh, c'est dégueulasse. Donc là, moi, je fais pas attention où je marche. Hein. Vous voyez, à chaque fois que je marche dans une tache de sang, j'en fous partout. Donc là, le principe, ça va être de tout enlever. Je vais faire un petit réglage OBS. Histoire qu'on m'entende un petit peu mieux. Je sais pas si vous entendez correctement le jeu.
Bon, ça c'est ridicule, on va pas faire ça comme ça. Oh, le bordel. Je crois que je vais me débarrasser d'avoir des corps pour pas être emmerdé. Je vais faire un tas quelque part. Ah, il y a tout qui ressort. Hop là. Eh ouais, faut aussi enlever les douilles. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Hop là. Que je la mettais là, hop. Qu'est-ce
ce qu'on va faire. Il y a ça. Quelle galère. Qu'est-ce que ça dit ça? Hop, on s'en fout. Ah cool, ça m'en met un deuxième, c'est chouette ça. Bon. Ah, tout ça encore. Des gommes douilles quelque part. J'avais pas lâché un morceau d'organe là déjà. Ah il est là. Paquet de chips, génial. En fait, c'est du prop. Version futuriste extraterrestre. Ouais. Dans l'autre sens, peut-être c'est mieux. Et là, normalement, je suis bon. Alors, on va déjà commencer de ce côté-là. Ça devrait être pas mal. On va faire côté par côté, je pense. Ça peut être pas mal. Ouais, parce que là, il y a du taf. Tiens. Oh, un balai, c'est chouette. Je vais aller prendre un seau de flotte. Waouh. Oh. Oula. C'est cool, il y a une bonne portée déjà. Ouh. Je pense que ce niveau doit faire office de tuto parce que les autres sont plus, beaucoup plus hardcore à ce qu'il paraît. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'enlève ça moi.
Hop là, adieu. Ouah! Non mais il est sérieux lui? Raclure de merde. Déjà, c'est bien, j'en ai plein, j'en ai pas plein les pieds. Hop, un coup suffit. Donc là, ça c'est fait. On se retire une petite douille. Ah, il y a encore tout ça là-haut aussi. Waouh. Ça déjà c'est fait. Il y a un truc à faire aussi. Je crois bien qu'il y avait un pistolet. Oula. Corps. Et je crois bien qu'il est là-haut. What? Ok. Ah bah toi je vais te libérer. Ah, la clé USB. On va éviter d'en foutre partout. Ah là là. C'est la boucherie. Oh, je vais continuer à nettoyer ce que je peux. Qu'est-ce donc que ceci? Reste un cadavre, sûrement. Bon, évidemment, le but c'est de le faire le plus vite possible, mais bon, là, on y va tranquille, hein.
On pond 100 ans, mais au moins faut que ce soit nickel. Ah là. Et merde. Oh, c'est bon. RAS. Pourquoi je me prends la tête? Ça, faut garder. Wow, faut que j'aille là-haut aussi. Ok. Les cartouches. On va les ranger aussi. Hein. Par contre, je me demande, est-ce que ça, on peut pas le compléter? Oula. Non, je peux pas le mettre dedans. On va dire que c'est acheté. Le rapport de Marcel et de Jean-Claude, on s'en fout. Hop, on en profite, on va remplir.
Ouh là là, c'est bien loin. Ah, j'ai fait tomber les boulettes. Pas bien grave. Ah ouais, il y a lui là-haut. Aïe aïe aïe. Être la zermie. Oh le bordel. Ah bah voilà le pistolet. Exactement ce que je cherchais. Là. Oh, c'est dégueulasse. Le mec, tu le prends par le torse, il se démembre totalement. C'est dégueulasse. Totalement gratos. Ok. Ah d'accord. Niquer la tablette. Je crois que j'ai tout pris. Il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Autant dire que je vais m'amuser. On va commencer par les petits bouts, hein. Est-ce que ça rentre peut-être un peu lourd? Ah, ça va prendre trop de place. La tête. Jambes. Ah, ça. Tirer tous les boyaux, sinon après ça en fout partout. Ouh. Ça devrait le faire. Voilà. Oh, oh. Ah. Perdu un bras. Ok. Ah. Bon, ça c'est nettoyé. Je vais enlever ça.
Ouais, encore besoin, ça sert à rien. Bon, passer un coup de serpillière là maintenant. Ah, je crois que ça, il y avait un truc à faire avec ça. Ah, ça va me réparer les trous de balles. Ok. C'est censé refermer les balles. Peut-être surchauffer le truc. Aïe aïe aïe. Eh merde. Putain. Sérieux? Ouais. Bon. Ah ça, je vais pas laisser trop de traces. C'est chouette. Bon, jusque-là, ça va. Il faut reprendre celui-là. Voilà.
Nickel. Ah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah, j'ai oublié un trou. Ah merde, j'en ai là-haut aussi. Faire grimper comme ça. Alors de marcher. Il manque. Là. Ah. Sûr que c'en était un. Non, c'en était même pas un. Hein. Voilà. Ah. J'ai dû le garder là-haut, je suis un peu trop con. Je crois que j'ai pas de trou ici.
Ah. Bon, je crois que la prochaine fois ce sera pas faisable. Ah! Je le sens pas. Non, si, c'est bon. Je pense qu'on est bon là-haut, je me souviens plus. Ça devrait être ok. Logiquement. Nettoyer par là. Là. Ok. Bon, je sais pas pour vous, je vais me faire le dernier saut. Et après, je vais arrêter. Peut-être vous retrouver sur Star Citizen, qui sait. Ah. Là. Ah, il va falloir monter là-haut aussi. Nettoyer les trous. Pourquoi je m'en doutais? Bon.
pas trop dégueu, j'ai envie de dire. Voilà, il sera porté toutes les cartouches. On va sauvegarder et ce sera bon, je pense. Ah. Oh, dégueulasse. Ça, on le fera en dernier, je pense. Je sais, c'est relou. Ouais, j'ai peut-être envie quand même un petit peu de nettoyer tout ce qu'il y a là au milieu. Là, sinon c'est relou. Ah, perso, je trouve ça relou. D'accord, il reste un morceau de cadavre. Il est là. Eh merde! Non, mais il faut pas grand chose, hein. Oh non, 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 non! Mais non, encore! Il est sérieux, lui. En fait, quand il clignote avec du bleu, c'est qu'il va me larguer un vieux bout de cadavre. Il a bugué le machin, il me balance un cadavre.
Là. C'est nettoyé ici. Ah. Ok, donc là maintenant, faut reboucher les trous. Ah. Voilà, de toute façon, tant que ça. J'ai pas tout enlevé, ça sert strictement à rien. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est bien relou, mais vous avez vu un peu le délire, comment ça fonctionne. C'est, en plus, on peut jouer en multi, donc ça peut être quand même vraiment sympa. Avec des potes, jusqu'à 4, je crois, si je me trompe pas. Volivalou. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Et voilà. Je pense que ça devrait le faire. Normalement, on devrait se revoir sur Star Citizen. Ciao à tous!